Allô, TP, j'écoute. Bon, je vais vous passer quelqu'un. Monsieur Tallou? Oui, ben, la télé est là, hein, oui. Avec la caméra, tout ça, quoi. Oui, ils sont en train de me filmer. Oui. Alors, monsieur Tallou est en conférence téléphonique avec le siège. Il va vous recevoir dans quelques instants. Entrez. Bonjour. Bon, alors sérieux là, c'est quoi le sujet de votre reportage là? Parce que si c'est sur Tallou TP dans la région, figurez-vous qu'on est connu quand même. Hein. Alors, vous me dites là, c'est sur quoi? C'est sur l'accueil des jeunes dans les travaux publics. Bien. Vous savez, les travaux publics, comme on dit chez nous, c'est des métiers d'hommes. Donc l'accueil, c'est extrêmement important. Donc accueillir les petits nouveaux, c'est pratiquement un sacerdoce. Monsieur Tallou, monsieur Tallou, j'ai madame Lucilou en ligne pour vous. Non, non, on ne peut pas le déranger, il est en train de se faire interviewer sur l'accueil des jeunes. Mais bon, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Des jeunes, on n'en a pas ici. Alors forcément, ça devrait aller vite, hein. Donc, ben voilà, Christiane, pilier de l'entreprise. Et c'est donc Christiane qui est la spécialiste de l'accueil chez nous. C'est logique, puisqu'elle est à l'accueil. Hein? Christiane? Ah oui, alors je vous explique. On reçoit des CV avec des demandes de stage. Bon, la plupart du temps, c'est des jeunes en apprentissage. Mais bon, comme personne ne se sert des CV, bah moi, j'aime pas gâcher, alors je les recycle. Je prends des notes, vous voyez? Et puis surtout, je fais des fax. Parce que, vous voyez, derrière le CV, on voit pas. Oui, bon, c'est vrai qu'on peut pas prendre tout le monde. Alors, tenez, là, par exemple, Jérôme Guérec. Bon, bah, il commence comme apprenti chez nous à partir de lundi. Hein? Voilà. Bon, en fait, j'ai passé plein de coups de fil. J'ai appelé plein d'entreprises. Puis, ça fait 3 mois en tout. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 mois que je les appelle. Puis donc, bah là, bah, ils m'ont rappelé vendredi et pour commencer aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable. Bah, ça fait longtemps que je vais faire des travaux publics. Ça fait depuis le collège qu'on avait visité un chantier et puis j'ai vu l'ambiance avec les patrons, avec le chef de chantier, tout ça, les grues, les machines. Ouais, franchement, ça m'a plu tout de suite. Franchement, ouais, j'ai eu le coup de foudre. Donc là, je suis impatient, quoi. C'est mon premier jour. J'ai trop hâte d'y être. Tu veux partir? Ouais, parce que faut pas que je sois en retard. Sinon, ça va pas bien faire. Donc je peux y aller. Départemental de Cajou entre Rinan et Volture. Alors ? Je suis embêté parce que c'est pas le jour là, ça tombe vraiment mal, il y a plein de boulot sur le chantier. Ben voilà, tu vas commencer par lire ça là, pour commencer. C'est important, hein. Bon ben, moi je retourne sur le chantier, les gars m'attendent. Gérard! Amène les gars! Bon. Bon, ben, comme vous le voyez, ben, c'est les gars. Oui, le sujet, c'est l'accueil. L'accueil des jeunes. Bah, allez-y, les gars, faites comme si j'étais pas là. Allez. Bon, y en a bien un qui va parler, là, non? Les jeunes, c'est difficile, les jeunes. Ils ne connaissent rien, les jeunes. Ils ne connaissent rien, c'est difficile. Il faut apprendre à tous, les jeunes. Ils retardent les chantiers, les jeunes. C'est difficile. Difficile. Gérard. Allez, c'est bon, allez. Bon, alors, comme je vous disais, ce que je préconise, moi ici, c'est l'action.
Et même si son CV n'est pas très fourni à notre petit... Il est où d'ailleurs là? Jérôme, tu mets ton manteau et tu sors. Oui. Bon, alors ça, c'est Jérôme. C'est son premier jour. Hein? Et c'est quoi ton métier? Je suis conducteur de pelle. Voilà, conducteur de pelle. Eh ben allez, hop, mon gars, sur le terrain. Chez Talo TP, la devise pour les jeunes, c'est... Place à l'action! Parce que c'est avec un manche entre les mains qu'on l'apprend. Allez hop! Et ben voilà! Bon. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que les jeunes ils ont une fausse image de nos métiers. Mais on gagne à être connu quand même parce que chez Talo TP, nous on sait les responsabiliser les jeunes et on sait l'importance qu'il y a à leur donner leur chance. Bon, c'est vrai qu'au départ il va faire des erreurs, mais c'est normal. De toute façon, il y a toujours un prix à payer. Mais bon. J'espère que vous avez une bonne assurance. Parce que je vous dis tout de suite, ce matériel-là, c'est pas de l'occasion, hein, c'était neuf. Oui. Non, je ne sais pas, par contre, c'est merveilleux.